droite, encore une fois à droite, et prendre l'ascenseur ou prendre les escaliers jusqu'au troisième étage. Quand vous sortez de l'ascenseur, c'est direct la première salle, avec le numéro 0301, c'est le numéro de la salle. Pour les enfants de 6 à 12 ans, ils se retrouvent dehors, près de la tente. Et ils seront occupés par les flambeaux. Et on peut y aller même si on n'est pas encore inscrit, pour tous ceux entre 6 et 12 ans. Et les enfants reviennent ensuite à 11h30. Pour le repas de midi et pour l'après-midi, il y aura d'autres informations après le culte. Je vous invite à chanter avec. Bienvenue. Check the
Einen herzlichen guten Morgen. Bonjour à tous et bienvenue ici à Schaffhouse, dans ce petit paradis au bord du Rhin. Même si c'est paradisiaquement chaud aujourd'hui, j'espère que vous allez profiter de la journée. On a pu déjà un peu profiter de la musique ensemble. Et ce qui me réjouit particulièrement, c'est qu'après 2 années de désert, on ait la possibilité de se rencontrer. Tant pour toi, tant pour la communion, et tant pour Dieu. Et la journée d'aujourd'hui est sous ce slogan. Nous allons encore avoir un moment de louange, mais j'aimerais encore vous donner quelques informations. De manière très importante, achetez vos tickets de repas si vous voulez manger quelque chose ce midi. Les bons, vous les recevez à l'entrée. Vous pouvez acheter des tickets différents pour les boissons et pour le repas. Jusqu'à
10 heures, il y a cette vente de tickets. Pour les enfants, deux fois à droite et au troisième étage, c'est la salle 301 pour les petits enfants de 0 à 5 ans. Pour les enfants plus grands, il y a un programme des flambeaux de Virgau, ici, de la région du circuit de Chafouz. Ils se retrouvent dehors, sur le parking, auprès de la tente. Et à partir de là, ils iront plus loin. Ces enfants-là seront de retour de nouveau à 11h30 chez nous. Plus d'informations pour le repas et pour l'après-midi, elles seront données à la fin de ce culte. Maintenant, il y a encore une information particulière. Nous avons des invités de France, d'Afrique du Nord. Ils ont déjà l'habitude. Ils peuvent prendre un casque pour que tout soit... pour qu'il soit traduit. Et vous trouvez les casques au fond. Et si vous parlez une autre langue... Ah, restez silencieux. Nous avons des invités qui viennent d'Ukraine, de plusieurs communautés, et pour qu'ils puissent vivre quelque chose de la prédication et de la fête, il y a une possibilité de traduction. Il y a une application qu'on peut télécharger. Le QR code est devant. Pas les Français, pas vous, restez avec moi, mais les Ukrainiens qui ont une autre langue, ceux qui parlent russe ou ukrainien, vous avez la possibilité de télécharger cette application et ce sera traduit dans votre langue. Les Français, restez avec moi. Le QR code est aussi dehors à l'entrée. Et donc vous pouvez aussi aller télécharger devant l'application. Allez, assez parlé, maintenant on va pouvoir de nouveau vous entendre. Merci beaucoup que vous soyez là avec nous pour partager la musique. Still light, come and look at me.
Pour les francophones qui ont besoin d'une traduction, il y a des haut-parleurs au fond de la salle où on peut se servir. Bonjour, Cédric. Est-ce que quelqu'un a vu Cédric? J'aimerais pas faire la modération toute seule ce matin. Avant, il était là, il était assis. Cédric. Ah. Ah, merci. Hey, salut Damaris, t'es déjà là? Mes pensées sont encore dans le clip et je suis un peu à l'ouest. Tu sais que ta ponctualité montre que mon temps est important, aussi important pour toi que le tien. Mais le plus souvent, les gens en retard sont plus heureux que les gens ponctuels. Et les gens ponctuels sont plus patients parce qu'ils doivent attendre les retardataires. Mais je trouve que j'étais à l'heure parce que la ponctualité, c'est d'arriver avant que l'autre soit déjà parti. Bon, on n'est pas là pour s'envoyer des situations à la figure sur la ponctualité, mais pour saluer les gens maintenant qu'on est là. Bienvenue à tous ceux qui sont présents dans la BBC Arena surchauffée à Schaffhausen, en live stream à la maison et dans les communautés. Nous nous réjouissons de célébrer ensemble ce culte de la conférence que nous célébrons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous saluons tout particulièrement l'évêque Patrick Streif et l'évêque Américo Rara Reyes d'Argentine. Merci d'être là. Mais maintenant, sérieusement, par rapport au temps,
Damaris, qu'est-ce qui est important pour toi ? Concernant le temps, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir autant que possible une balance. Il y a un temps destiné à mon travail, mais ça ne doit pas prendre tout mon temps. J'ai besoin de temps avec ma famille, avec mes amis, et du temps où je peux être avec moi-même. Ce n'est pas du temps perdu ou gâché, mais un temps dans lequel je reçois de la force pour mon travail en tant que pasteur et aussi de la force pour soigner les relations. Malheureusement, ce n'est pas toujours simple de tenir cette balance. Cédric, qu'est-ce que tu penses quand tu penses au temps ? C'est une chose très abstraite, hein, qu'on ne peut pas toucher. Mais d'un autre côté, on reconnaît tous que le temps passe. Parfois, on a l'impression que certaines choses étaient il y a une éternité et des fois, les années passent tellement vite. Et quand je deviens vieux, je remarque que la vie est courte et limitée. Et parfois, ça me stresse même. J'aimerais faire tellement de choses ou bien j'ai l'impression, comme dans Coëlette, que le temps m'échappe comme du sable entre mes doigts. Mais plusieurs choses m'aident. D'un côté, tout temps et chaque jour est un cadeau. Rien d'évident. Chaque matin, à nouveau, j'ai reçu de Dieu une journée en cadeau. Je dois me concentrer sur cette matinée et sur ces jours et l'accepter comme un cadeau. Et deuxièmement, quand je réalise que ce temps est si précieux et limité et qu'une vie ne suffit pas pour profiter de tous, parfois m'aide aussi cette pensée. L'espérance de l'Évangile est aussi que Dieu nous fasse partager son temps éternel. Et au final, ce temps n'est pas si limité que ça. Mais bon, je vois que je suis un peu parti dans la philosophie. Toi, Damaris, comment tu arrives à gérer ces trois temps ? Pour toi, pour les autres et pour Dieu. Quelque chose qui est toujours plus important pour moi, c'est que nous avons des fois besoin de temps spéciaux pour certaines choses. C'est-à-dire un temps spécial pour Dieu, quelle que soit la manière dont nous l'organisons. Un temps de communion avec les autres qui nous fait du bien et des temps pour soi, tout seul. Mais dans tout temps, Dieu est là. Il n'est pas seulement avec nous dans les temps que nous réservons pour venir à sa rencontre. Mais aussi quand on regarde un film, quand on gâche notre temps sur les réseaux sociaux. Quand nous sommes avec d'autres personnes, quand nous travaillons, soit de manière administrative ou de manière spirituelle. Et aussi particulièrement quand nous nous reposons. Dieu est toujours avec moi et toujours avec nous tous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps sans lui. Et ça me soulage beaucoup et rend ma relation avec lui vivante. Et toi, Cédric, comment tu fais pour accorder ces trois temps ? Tout accorder en même temps, c'est compliqué. Des fois, on passe plus de temps avec les autres, parfois plus de temps pour soi. Et je vois que quand le temps avec Dieu me manque, je suis agité. Mais je suis vraiment pas du matin. Et si je devais prendre du temps avec Dieu le matin, ça donnerait pas grand-chose. Mais le soir, quand il fait sombre dehors, que tout est calme à l'intérieur et que moi je suis bien réveillé, alors j'apprécie beaucoup de prendre du temps avec Dieu, parce que Dieu est toujours réveillé, même quand les autres dorment. Le temps pour moi, c'est être dehors. Je laisse la nature faire son effet sur moi et j'observe ce qu'il y a à découvrir. Le temps pour la communauté, ça peut être que je me retrouve avec l'un ou l'autre et que je vais à des événements comme cette conférence annuelle. Un bain de foule comme ça après 2 années de pandémie, ça fait beaucoup de bien. Là, nous avions beaucoup parlé du temps, sur le triptyque du temps qui est au centre de notre matinée aujourd'hui. Maintenant, nous voulons remercier dans la prière Dieu qui a le temps entre ses mains.
Et là-dessus, j'ai trouvé une belle prière de Jörg Zink. Et nous voulons la prier ensemble. Créateur de nos heures et de nos années, tu nous as donné beaucoup de temps. Il est derrière nous et il est devant nous. Il était nôtre et il sera nôtre. Et nous le recevons de toi. Nous te remercions pour chaque tic-tac de l'horloge et pour chaque matin que nous voyons. Nous te demandons beaucoup de sérénité et de calme pour remplir chacune de ces heures. Nous prions que nous puissions laisser un peu de ce temps libre des obligations, un peu pour le silence, un peu pour le jeu, un peu pour les personnes en marge de nos vies qui ont besoin de consolation. Nous prions pour le soin de ne pas tuer le temps, de ne pas le gâcher. Chaque heure est un bout de terre. Nous voulons l'ouvrir avec la charrue. Nous voulons y semer de l'amour, des pensées et des discussions pour que le fruit pousse. Bénis notre journée. Amen. Et nous voulons ensemble maintenant chanter le chant Saint, Saint, Saint. Thank you.
la lecture de l'Ancien Testament est dans Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 à 11. Je lis dans la traduction de la Basis Bible. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. Et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Et je dis dans le Nouveau Testament, Jean 1, de 1 à 4, et aussi dans la Basis Bible. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité.
Chère assemblée de la conférence, c'est très beau que nous puissions être ensemble avec aussi, autant de personnes ici dans la salle et beaucoup aussi par le live stream en ce dimanche matin de la conférence annuelle. Nous avons déjà entendu deux textes bibliques. Ils ont aussi un lien avec la prédication, mais le texte de base de la prédication vient de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, des versets 1 à 3 et 13, aussi dans la seconde 21 en français. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chers frères et sœurs, au cours de ces derniers jours, nous avons mené d'instances délibérations et pris des décisions importantes. En lien avec le texte de la prédication d'aujourd'hui, j'évoquerai aussi quelques-uns des thèmes débattus ces derniers jours. Un premier point. Nous sommes nés au sein d'une communauté. Le rapport de la surintendante et des surintendants était placé cette année sous le titre « Renforcer le nous » et se référait au rapport des années précédentes. Je vous recommande vivement de le lire et de le discuter dans les cercles de maison ou d'autres groupes. Il développe une vérité biblique importante en rapport avec une remarque relative à l'Épître aux Éphésiens. Je lis du rapport des surintendants. Ce ne sont pas l'individu et le monde dans lequel qui vit qui viennent en premier lieu, mais la communauté des croyants et l'insertion des croyants individuels dans celle-ci. Cette antiposition de la communauté avant l'individu est un signal fort. Fin de citation. Dans notre monde occidental actuel, nous sommes cependant marqués par une attitude centrée sur l'individu. Comment puis-je m'épanouir? Comment puis-je trouver le bonheur dans la vie par conséquent? Qu'est-ce que m'apporte la communion? Elle m'apporte-t-elle un profit? Mais en ce faisant, nous inversons une séquence logique qui nous rappelle les récits bibliques. Aucune personne d'entre nous ne s'est lui-même donné la vie. Nous l'avons reçue. Nous sommes nés dans une famille. D'autres ont pris soin de nous. Nous sommes entrés dans la vie en dépendant des autres et de leurs soins. C'est ainsi que nous sommes entrés dans la vie. Sans communauté humaine et ses relations attentionnées, nous n'existerions pas. Les cellules cœur communautaires dans une famille ont pu être heureuses ou empreintes de tension, mais personne parmi nous ne s'est donné ou a mérité lui-même sa vie. C'est toujours d'abord un cadeau reçu dans une communauté qui existait déjà avant nous. Et il en va de même pour la vie spirituelle. Personne parmi nous n'a pu devenir chrétien de façon autonome. D'autres ont partagé avec nous leur foi en Christ. «
Ça commence par les témoins de la Bible. D'autres nous ont rendus attentifs à ce que Dieu a fait pour nous en Christ et au fait que c'est le Christ qui nous appelle à entrer en communion avec lui. Avec lui et avec ceux qui se sont déjà laissés appeler par lui. Personne ne peut se baptiser soi-même. J'ai vu quelques exemples au Jourdain, mais en réalité, ce n'est pas un baptême. Nous sommes baptisés pour entrer dans une vie nouvelle et avancer avec Christ. Nos premières expériences de communauté chrétienne peuvent avoir été respectivement libératrices ou pesantes, mais personne parmi nous ne s'est fait chrétien de façon autonome. Nous sommes en tous redevables à la communauté ecclésiale que Christ a appelée et qu'il va maintenir en vie. À la fin du rapport des surintendants, il se termine par des méditations bibliques et une phrase très concise. Le je vit dans le nous et grâce au nous. Un deuxième point. Il en va du développement personnel et à la croissance personnelle à la suite du Christ. Naturellement, l'évolution ultérieure amène à considérer d'autres aspects. Tel le fait que chacun et chacune doit avoir la possibilité de s'épanouir personnellement et de grandir. Voyez la famille, nous ne restons pas toujours des nourrissons devant être allaités au sein maternel. Les nourrissons grandissent et se développent. L'autonomie et la volonté de plus en plus fortes des enfants et des adolescents peuvent ici ou là pousser les parents au désespoir. Devenir une personnalité autonome est un processus naturel et nécessaire. Au fil du temps, vont se développer le désir d'établir soi-même des relations et la capacité à vivre en communauté avec d'autres. Et il en va de même dans la vie à la suite du Christ. La croissance vers l'autonomie est nécessaire. Dans l'épître aux Galates, Paul rappelle que nous sommes appelés à la liberté. Et dans la phrase suivante, il nous rappelle d'être par amour serviteurs les uns des autres. Développement personnel et croissance doivent promouvoir l'édification de communautés constructives. L'autonomie croissante du chrétien est à la mesure de la grâce que le Christ accorde à chacun. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Éphésiens, et dans le texte de prédication, nous avons entendu « Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. » Là,
Là, je pense qu'une vie entière ne suffit pas. Toujours mieux reconnaître Jésus et aider la communauté à l'édifier, ça c'est quelque chose de vraiment important. Ce n'est ni simple ni naturel. Ces derniers jours, nous avons lutté pour trouver quelle voie nous voulons choisir à l'avenir en tant qu'Église dans le cadre de notre conférence annuelle par rapport au thème polarisant de la sexualité humaine. Si quelqu'un ne le savait pas encore, il aura entendu au cours des débats qu'il y a d'énormes différences dans les convictions et les styles de vie des différents pays et dans les différentes personnes. Une large majorité a exprimé clairement à la conférence annuelle qu'un chemin commun doit être poursuivi dans le respect mutuel par rapport aux convictions personnelles différentes. Et avec une déclaration d'intention dans cette direction, nous voulons continuer d'être Église. Et ça reste un processus d'apprentissage. On ne peut pas juste voter et dire c'est fini. Ça va continuer à être un processus pour nous en tant qu'Église. Dans le respect mutuel, à continuer à être Église et à continuer à marcher ensemble. Et en même temps, il est devenu clair entre nous, peut-être dans certaines communautés, qui disent nous ne pouvons pas faire ce chemin ensemble avec vous. Et c'est important que ceux qui sont maintenant dans la majorité, qu'ils restent respectueux par rapport à ces autres personnes, que vous restiez respectueux par rapport à vos convictions mutuelles. Et j'espère que ces autres personnes qui ne veulent pas continuer ce chemin qu'ils se tiennent à nos règles et à notre règlement d'Église. Et ça veut aussi dire qu'ils disent « je ne peux pas faire ce chemin ». Et qu'ils ne veulent pas essayer maintenant de tirer le plus de monde de leur côté. Quand nous apprenons à être adultes et de se respecter, c'est toujours le respect pour la personne individuelle. Et ça, nous devons le conserver mutuellement et aussi mettre en œuvre ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Avec l'humilité. Non, pas moi j'ai la vérité et vous avez tort. Je peux dire j'ai une autre conviction et là doivent se séparer nos chemins, mais dans le respect. Ça, nous devons nous entraîner avec humilité. Avec amicalité, nous dit l'Épître aux Éphésiens, et avec humilité. Aussi bien le scénario kaléidoscope que la question de la compréhension de la qualité de membre, qui va continuer encore une année et qui va peut-être être décidé dans les prochaines années. Ça nous a toujours remis en mémoire ce qui est vraiment l'essentiel. La foi en Jésus-Christ et notre croissance à sa suite. Et l'Épître aux Éphésiens est plus encore que d'autres lettres de Paul, un appel
à se fonder sur Christ, qui est le centre de la foi, pour conserver l'unité de l'Église. Cela ressort aussi des versets à la base de notre prédication. Verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et au verset 15, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amour et vérité. Et souvent, c'est déchiré dans nos discussions. Si nous prenons au sérieux le Nouveau Testament et l'Épître aux Éphésiens, nous voyons que l'amour et la vérité ne peuvent être comprises qu'en rapport vers Christ, qui est le centre. Parce qu'en lui est venue la grâce et la vérité dans le monde. Et il nous a montré ce qui veut dire vraiment l'amour. Vérité et amour, nous ne devons pas le séparer, mais le voir ensemble de Christ. Alors nous pouvons voir, nous pouvons vivre une foi dans laquelle l'amour agit. Un troisième point, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul écrit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Efforcez-vous. On peut transpirer, pas seulement parce qu'il fait chaud. Efforcez-vous. Déjà toujours. Il y a toujours eu. Conserver l'unité dans l'Église a toujours été un effort. Se décider pour des solutions personnelles, qu'il s'agisse d'individus ou de communautés entières, a toujours été plus facile. Le scénario kaléidoscope est la possibilité de tenir compte des différences relatives aux spécificités d'un pays, veulent nous aider à rester connectés ensemble à Christ et dans la communauté. Mais il y faut la volonté de chacun pour contribuer à cette unité. Je ne peux pas vous épargner cet effort. Je ne peux pas vous épargner de faire votre propre contribution. Peut-être avez-vous remarqué que la première partie que Paul appelle à conserver l'unité et non pas à réaliser l'unité. Car ici aussi, la communauté de l'Église est déjà donnée partout où, Christ, où l'Esprit du Christ est à l'œuvre. Nous devons nous efforcer de ne pas sous-estimer ou la détruire. Et il faut parfois, et il faut toujours un effort supplémentaire pour nous écouter les uns les autres. Reconnaître Christ dans l'autre pour vivre cette communion et pour la trouver et pour la vivre à nouveau. Et là où il y a déjà eu des scissions dans le passé, dans l'histoire de l'Église, il faut des efforts supplémentaires pour les surmonter. Au niveau mondial, le Conseil œcuménique des Églises a fortement contribué, depuis ses débuts, à renforcer la communion entre les Églises. Dans 2 mois, il siégera en assemblée plénière à Karlsruhe. Ici en Europe,
C'est une occasion rare. Et vous pouvez aussi y aller et visiter la manifestation. Sarah Barr, qui sera ordonnée aujourd'hui, sera la seule déléguée de l'EEM en Europe. Lorsque nous nous efforçons de contribuer nous-mêmes à cette communauté d'église, l'action de la communauté en est renforcée. Je cite ici deux exemples rapides, des exemples positifs, pour qu'on ne parle pas que des tensions. Un est l'aide à l'Ukraine pour les réfugiés et pour les personnes en situation d'urgence. Grâce à notre réseau méthodiste, nous avons pu fournir et nous continuerons à fournir de l'aide. Ou ceux qui ont participé hier au jubilé des 20 ans de Connexio ont pu prendre conscience avec reconnaissance et étonnement de tout le bien qui s'est fait à travers les églises partenaires et dans leur pays par ce réseau Mission et Diaconie. Et on a pu entendre quelques salutations du monde entier hier. Il dépend de chacun de nous de nous engager constructivement dans le réseau des communautés et des œuvres méthodistes. Frères et sœurs, il y a dans le monde actuel suffisamment de tendances à promouvoir les polarisations et ainsi à attirer l'attention des médias. Suffisamment d'algorithmes dans les réseaux sociaux qui promeuvent la formation de groupes asociaux. Suffisamment de groupes qui ont toujours raison et qui étouffent la recherche de la vérité. Que faisons-nous en tant que société d'église? Ou que fais-je, moi? Nous laissons-nous entraîner par ces tendances ou nous encourageons-nous mutuellement à grandir dans la connaissance du Christ et à le suivre pour faire de bonnes choses ensemble dans notre monde et ainsi écouter l'autre et ensemble former une communauté qui est encore capable de faire beaucoup plus de choses comme la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse celui qui s'engage comme ça. Amen.
Meine Hoffnung ist in dir. Ton nom est plus grand que tous les autres. Ta parole n'échoue jamais. Et ta promesse est là pour toujours. Tu es mon espoir. L'encre de ma vie. Tu tends tes mains vers moi, à travers la nuit et le brouillard, et aussi dans le silence, tu m'appelles. Nous voulons nous diriger vers toi. Nous regardons vers toi.
Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Maintenant, c'est le temps de missionner les personnes pour leur service dans l'Église. Et c'est toujours un temps pour nous tous, pour se réjouir et pour louer Dieu. Nous reconnaissons les dons de ces gens pour leur mission, pour leur service. Nous réjouissons qu'ils mettent à disposition leurs dons pour leur service dans l'Église. Et pour cela, nous louons Dieu qui ont offert ces dons. Et c'est très beau que nous puissions vivre à nouveau ce temps ensemble cette année. Nous nous réjouissons que plusieurs frères et sœurs se sont sentis appelés au service dans notre Église en tant que prédicatrice laïque à responsabilité pastorale, Renate Eschbach. En tant que membre probatoire sur le chemin vers l'ordination et pour l'admission en tant que membre de plein droit, Nicole et Alain de Vels de France.
En tant que pasteur qui va être aujourd'hui ordiné, Sarah Barth de la Suisse. Au nom des laïcs, je me réjouis que nous puissions missionner ces personnes aujourd'hui. Aussi, l'Alliance des anciens, des pasteurs anciens de cette conférence a confirmé ces personnes pour leur service. C'est pour ça, cher évêque, nous te présentons ces personnes pour que tu les envoies et que tu leur donnes les pouvoirs pour l'exercice de leur service dans l'Église. Chers frères et sœurs, vous êtes à des différentes étapes dans le service de l'Église. Vous vous sentez appelé par Dieu et vous allez être missionné avec des services pastoraux dans l'Église évangélique méthodiste. Vous avez en commun l'appel au service du Christ et de l'Église, dans lequel vous annoncez la parole de Dieu, vous administrez les sacrements, vous dirigez la communauté dans le culte et dans la prière, dans lequel vous amenez les hommes et les femmes à la foi en Jésus-Christ, dans laquelle vous exercez la relation d'aide, dans laquelle vous organisez la vie de la communauté et que vous l'emmenez pour vivre leur mission dans le monde. Que dans ce service, votre vie puisse toujours plus ressembler à la vie du Christ, qui était notre serviteur à tous. Vous devez aimer toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, les servir et prier pour elles, pour les vieux et les jeunes, les forts et les faibles, et les riches et les pauvres, vous devez les traiter de même manière. N'oubliez pas que vous êtes appelé à servir et non pas à être servi. Cher évêque, chère assemblée de la conférence, je vous présente Renate Eschbach en tant que prédicatrice laïque à responsabilité pastorale. Chère Renate, tu as été élue prédicatrice laïque à responsabilité pastorale à cette conférence annuelle pour assumer le service pastoral à un endroit précis. Nous voulons prier pour l'aide de Dieu. Dieu de grâce, aide cette sœur par ton Saint-Esprit à accomplir sa mission et à la vivre dans l'amour. Équipe-la pour sa mission. Renforce-la dans sa conviction de te suivre et de servir les hommes. C'est ce que nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Renate reçoit cette mission d'exercer le service pastoral dans l'église évangélique méthodiste dans un environnement de travail que tu connais. Selon les situations locales, tu peux être aussi missionné à diriger la communauté de manière autonome et à administrer les sacrements. Et en signe pour cela, nous te donnons une Bible avec une petite feuille qui est ajoutée et qui nous rappelle de cette ordination, de cet envoi, de cette installation. Que puisse cette Bible te rappeler toujours de ce moment. Serge Frutiger offre aussi au conjoint un petit signe de reconnaissance. Il va aussi le faire pour la prochaine mission. Parce que à côté des choses toujours belles, on vit aussi beaucoup des difficultés, des limites. Accompagné sur ce chemin, c'est tout sauf évident.
C'est pour ça un grand merci de tout le cœur et la bénédiction du Christ, de Dieu. Cher évêque, chère assemblée de la conférence, je vous présente les nouveaux membres probatoires. Ce sont Nicole de Heuvels et Alain de Heuvels. Malheureusement, ils ne peuvent pas être physiquement parmi nous aujourd'hui, ici à Schaffhouse. Et nous avons qu'une photo, je crois. Oui, j'espère que la photo peut-être puisse être projeté à nouveau. Quand ils commenceront leur ministère en France en septembre, une cérémonie sous la direction du surintendant sera prévue. Et chère Nicole, cher Alain, si vous participez actuellement au live stream, j'espère très fortement que je peux très bientôt faire votre connaissance personnellement aussi.
Cher évêque, chère assemblée de la conférence, je vous présente en tant que nouveau membre de plein droit Sarah Barr. Chère Sarah, tu as été admise à cette conférence annuelle en tant que membre de plein droit de l'Alliance des pasteurs anciens de l'Église évangélique méthodiste. En tant que pasteur ancien ordonné dans l'Église, tu es dans une communauté de service avec tous les autres ordonnés pour vous encourager mutuellement dans votre mission et la porter ensemble. Aussi, pour vous réjouir de tous les dons que chacun ramène et que toi aussi tu amènes. Dans les questions suivantes, nous te demandons de répondre ce que tu as déjà répondu dans les discussions préalables devant et de le faire maintenant devant l'assemblée de la conférence. Sarah, crois-tu que Dieu t'a appelé au service en tant que pasteur dans notre Église? Alors réponds, je le sais. Je le sais. Crois-tu au Dieu trinitaire et reconnais-tu Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur? Alors réponds, je crois et je me reconnais à lui. Je crois et je me reconnais à lui. Reconnais-tu les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament en tant que seul écrit directeur pour ta vie et pour la foi dans l'Église et pour ses membres? Alors réponds, j'en suis convaincu par la grâce de Dieu. J'en suis convaincu par la grâce de Dieu. Promets-tu de rester fidèle dans la prière et dans la lecture des écrits saints pour que ta vie soit toujours plus correspondante à l'Évangile et que tu deviennes un exemple pour les autres? Alors réponds, je veux le vivre avec l'aide de Dieu. Je veux le vivre avec l'aide de Dieu. Veux-tu te tenir à l'alliance des pasteurs anciens de l'Église évangélique méthodiste et accepter son enseignement, sa liturgie et ce règlement d'Église? Veux-tu la défendre contre d'autres enseignements qui contredisent le message de Dieu? Et est-ce que tu reconnais l'autorité de ceux qui sont missionnés pour surveiller ton ministère? Alors réponds, je veux le faire avec l'aide de Dieu. Je veux le faire avec l'aide de Dieu. Puisse Dieu, qui t'a donné la volonté de faire ces choses-là, te donne aussi la grâce de les réaliser pour que l'œuvre qu'il a commencée en toi soit accomplie. Amen. Chère Sarah, nous croyons que tu es appelée par Dieu dans l'alliance des pasteurs ordonnés en de plein droit de l'Église pour annoncer l'Évangile, administrer les sacrements et diriger la communauté. Et l'ordination est le signe qui te rend le pouvoir pour ça dans ton service. Nous prions. Seigneur, fais couler sur Sarah ton Saint-Esprit pour son service en tant que pasteur ancien dans l'Église de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sarah reçoit cette mission et ce pouvoir en tant que pasteur ancien de l'Église de prêcher la parole de Dieu, d'administrer les sacrements et de diriger la communauté. Amen. Sarah, nous nous réjouissons de t'admettre dans l'alliance des pasteurs anciens ordonnés de l'Église évangélique méthodiste. Que Dieu te bénisse dans ce service de prêcher la parole de Dieu
dans des paroles personnelles ou dans une prédication, dans un podcast, d'administrer les sacrements. Et aussi de diriger la communauté. Que Dieu te bénisse. Tu sens aussi le soutien avec ces applaudissements. Et c'est très beau. Et c'est quelque chose de toujours très beau de sentir dans l'église, quelque chose comme ça. Et il y aura aussi d'autres moments. Et pour cela, tu as déjà vécu des choses difficiles dans ton temps en tant que membre probatoire. Et des fois, on se sent vraiment comme dans le désert. Quelque part dans l'église, il y a ta prière qui va continuer. Même si tu ne le vois pas et tu ne le sens pas. Je te donne le diplôme d'ordination et un service de Sainte-Seine pour les malades. Parce qu'il y a aussi des situations où les personnes ne peuvent plus participer aux Sainte-Seine dans la communauté. Et alors c'est bien d'aller vers ces personnes et de leur apporter la Sainte-Seine. La bénédiction du Seigneur. Pendant le prochain chant, nous collecterons l'offrande. Elle est destinée au coût de ce culte de la conférence annuelle. Pour ceux en live stream ou en streaming, ou ceux qui n'ont pas d'espèces sur eux, il y a un Twint code. Maintenant, nous chantons Mein Mund besinget tausendfach. On chante les 7 strophes, et alors, et d'abord les strophes en allemand, et ensuite les strophes en espagnol.
J'ai le grand plaisir d'avoir le président de l'Église réformée de Schaffhouse. Il a lui-même eu un culte et il a pu venir seulement maintenant. Nous avons une communion des églises dans la communauté des églises protestantes d'Europe. Et nous essayons de nous inviter mutuellement quand nous avons des cultes d'ordination. Et pour donner une expression de cette communion des églises que nous avons. Et je voudrais lui donner une parole de salutation. Il est allumé. Je me réjouis de vous adresser les salutations les plus chaleureuses de l'église cantonale de Schaffhouse pour une telle ordination. Je me sens, ça me rappelle des choses il y a 30 ans, quand j'ai eu l'honneur et aussi le devoir d'être ordonné. C'était un moment particulier que chaque pasteur vit. Je vous souhaite beaucoup de joie dans vos missions diverses. Nous avons le plus beau métier du monde. Ça, je le dis vraiment comme ça, mais on a vraiment des gens qui sont petits, grands, et on peut tous les accompagner dans des situations de vie différentes. Et c'est un cadeau de notre devoir. Et que nous puissions le faire bien avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je vous souhaite beaucoup de joie. Pas avec cette météo chaude. Nous avons la chaleur de Dieu, nous ne l'avons pas seulement à l'intérieur, mais nous la sentons aussi de l'extérieur. Il veut que nous transpirions, que vous puissiez être ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. Et que Dieu vous bénisse tous. Chère assemblée de la conférence, dans l'Église de Jésus-Christ, chaque membre est appelé à un service du témoignage et de l'amour du prochain. Et en même temps, certains sont appelés à un service de direction pastorale dans les communautés. Ils reçoivent tous les ans une affectation pour un an. La liste des affectations va être publié sur le site internet de emk-schweiz.ca et dans le magazine Kirche und Welt. Je vous prie d'accueillir ces hommes et ces femmes qui ont été appelés dans vos communautés
et de les porter dans la prière. Nous voulons bénir les pasteurs dans leur district et pour toutes les personnes qui travaillent pour le royaume de Dieu. Tout d'abord, Grégoire Chaignan, en français, pour le district francophone dans la Suisse romande, en France et dans l'Afrique du Nord. Serge Frottiger pour les districts germanophones et Léa Hafner pour tous ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu. Je vous invite à vous lever. Puisque le Seigneur a écrit notre nom dans son livre de vie, par grâce, uniquement par grâce, il nous envoie cette année encore dans nos champs de mission, en Algérie, en Tunisie, en France, en Suisse, pour que nous vivions cette grâce et nous la partagions, afin que des femmes nouvelles et des hommes nouveaux aient aussi leur nom inscrit dans son livre de vie. Que la paix du Seigneur nous vous accompagne pendant cette année de grâce. Amen. Dieu céleste, nous prierons pour les personnes envoyées dans les districts germanophones de Berne, de l'Ouest et de l'Est. Bénis ses frères et ses sœurs, qu'ils soient remplis de joie, avec de paix, de force dans la foi, dans les bons moments et dans les temps de désert, dans les temps fructueux et dans les temps de sécheresse. Offre-leur par ton Saint-Esprit la force qu'ils ont besoin chaque jour. Amen. Dieu de bonté, tu appelles des personnes à ton service, laïcs et pasteurs, enfants, femmes et enfants, et femmes et hommes. Ensemble, nous sommes dans ton service. Tu nous as tous donné la mission d'appeler les hommes à te suivre pour que le monde soit transformé dans nos familles, au travail, dans les communautés d'église et dans nos pays. En confiance avec toi, nous avons laissé appeler. Merci que tu nous accompagnes sur nos chemins. Merci que tu nous équipes avec ce dont nous avons besoin. Merci que tu nous donnes des autres frères et sœurs chrétiens qui nous accompagnent sur le chemin. Merci que tu nous offres ta vie et que tu nous donnes la force de continuer à donner cet amour. Ainsi soyez-vous tous bénis. Amen. Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux enfants qui sont revenus du programme pour enfants. Bienvenue à ce culte. Et maintenant, nous voulons chanter ensemble. Dieu, toi sois l'honneur. On chante en espagnol et ensuite en allemand.
Il nous reste à remercier toutes les personnes qui ont animé cette matinée et qui l'ont rendu possible. Il y a les musiciens autour d'Urs Schweitzer, le groupe de musique Plugin, l'évêque Américo Yara Reyes pour son intervention musicale, l'équipe autour de Natasha Bertschinger avec Serge Frutiger, Markus Allenbach qui ont préparé cette journée. Et nous voulons encore dire merci à l'évêque Patrick Streif et au cabinet Léa Hafner et Nicole Becher et à l'équipe du live stream, aux personnes de ceux qui ont animé le programme pour enfants et tous les bénévoles de l'EMK de Chafouz. Un grand merci. Damaris, toi aussi, merci pour ton intervention. Et merci, Cédric, tu es encore venu, tu ne m'as pas laissé seul. Nous allons ensuite recevoir la bénédiction prononcée par l'évêque. Et ensuite, nous chanterons un dernier chant. Ne vous levez pas tout de suite après le chant, il y aura encore des informations sur le repas et sur l'après-midi. À tous ceux qui étaient en streaming et qui étaient aussi ici et qui s'en réuniront après le culte, c'était super que vous soyez là. Et à tous ceux qui restent ici, nous vous souhaitons un bon appétit et un bon programme de l'après-midi. Levons-nous pour la bénédiction. Jésus-Christ, tu nous as appelés à la communauté de ton corps dans l'Église. Tu as donné des dons à chacun de nous. Tu nous as fait croître et tu souhaites que nous continuions à croître vers toi et que nous apportions notre contribution à l'édification de ton Église pour que le royaume de Dieu dans ce monde devienne visible. Et puisse la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu du Père et la communion du Saint-Esprit puisse-t-elle être avec vous et rester avec vous. Amen.
Je vais vous donner deux, trois informations. Pour ceux qui ont faim, maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Il y a deux possibilités, soit dans le hospitality, et là, vous allez à droite, une deuxième fois à droite, et là, vous êtes quasiment arrivé. Et en fait, vous faites quelques pas, et là, il y a trois endroits pour manger, enfin pour récupérer le repas. Il y a pour les végétariens et pour avec la viande. Il y a aussi un self à l'extérieur. Là, vous sortez à la sortie principale et direct à gauche. Et ensuite, quand si vous voulez manger une saucisse, vous devez aussi sortir. Et là, vous aurez aussi un stand de saucisse. Les boissons, vous les recevez dehors, dans le bar, et aussi dans la partie hospitality, à la fin du self, vous pouvez prendre des boissons. Et quand vous voulez encore quelque chose de sucré ou du café après le repas, on a été prévenu de ne pas boire trop de café cette semaine. On a quand même du café aujourd'hui. Il est à côté dans la partie hospitality. Quand vous sortez, il y a une rue qui va vers le quartier derrière. S'il vous plaît, ne bloquez pas la rue pour que les gens puissent rentrer et sortir. Après le repas, là, vous voyez déjà à l'écran, il y a plusieurs possibilités pour participer. Si vous voulez un peu de mouvement, et dans la forêt ou en partie, il y a un chemin et avec des petites étapes. Vous sortez à gauche, et là il y a une table de bistrot, et vous trouvez des cartes avec ce chemin. Quand vous voulez faire ça tranquillement, aller vers les stations, ça met 40 minutes. Il y a quatre stations, elles sont aussi au français. La première station n'est pas au français, mais vous pouvez, si vous ne comprenez pas la première station, vous pouvez aller à la suivante. Et aussi cet après-midi, et aussi on peut voir le mime Peter Wild, qui va vous emmener avec de l'humour, mais aussi de la profondeur, et il va relier ça avec du rire. Et ensuite, il y a les chansons folkloriques irlandaises de Stam Staufer. Et il y a aussi de voir la possibilité.